Allez hop, on y va. Direction le week-end. Plus de 40 minutes de Hit à la suite qu'on va démarrer bientôt. Avant ça, Armin Van Buren, Amine, et là c'est les infos sur Énergie 9h pile. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, avant de vous abandonner pour quelques semaines de vacances, je vais encore vous annoncer une très chaude journée pour ce vendredi. Le mercure va grimper jusqu'à 37 degrés dans l'intérieur des Alpes-Maritimes, 32 à 35 sur la plage, évidemment sous un beau soleil. Déjà ce matin, il fait 30 degrés à Menton, 29 à Roquebrune, 28 degrés dans la Principauté. Forte chaleur encore une fois aujourd'hui et encore plus forte pollution. La qualité de l'air est annoncée médiocre pour ce vendredi sur les Alpes-Maritimes avec un indice 8. Sur la route, vous risquez fort de voir des limitations de vitesse rabaissées. Il faut évidemment les respecter. Côté trafic, je l'évoquais hier, un nouveau week-end de départ en vacances se profile. Ça va coincer dès ce matin 10h sur la 8 entre Nice et l'Italie. La journée est classée orange au niveau national, ce sera rouge demain. C'était la dernière otage française dans le monde. Isabelle Prime a été libérée cette nuit. Elle était retenue au Yémen depuis presque 6 mois. Cette consultante de 30 ans avait été enlevée par un groupe tribal dans la capitale Sanaa en février. Elle a passé la nuit sous protection française et elle sera de retour dans le pays d'ici quelques heures. Les footballeurs de Ligue 1 rechaussent les crampons. C'est la reprise du championnat avec dès ce soir en match d'ouverture Lille qui reçoit le PSG à 20h30. Demain, entrée en lice des hommes de Leonardo Jardim. L'AS Monaco et l'OGC Nice vont s'affronter à l'Alliance Riviera. Alors coach, du nouveau ou on ne change pas une méthode qui gagne ? Six mois de l'année dernière, l'équipe gagnait la consistance défensive. Après les derniers 6 mois, je crois qu'offensivement l'équipe progressait beaucoup parce que nous fait beaucoup de buts à les matchs extérieurs pour le championnat français. Nous fait 3 buts Arsenal, nous fait grand match pour le plan offensif. Puis cette année, nous continuons à travailler. C'est toujours l'objectif. Nice ASM, c'est demain soir, mais dès aujourd'hui, on devrait connaître l'adversaire de Monaco en barrage de la Ligue des Champions. Le match aller aura lieu dans une dizaine de jours. Enfin, un dernier rendez-vous pour la pyromélodie. Le concours de feux d'artifice de Monaco prend fin demain. Après la Suisse, la Belgique et l'Italie, c'est la Slovaquie qui va assurer le spectacle pendant 20 minutes. Première fusée dès 21h30 sur le port de Monaco. Fin de ce flash, 9h03. Bon courage à ceux qui bossent et bonnes vacances à tous les autres. À plus.